Elle est hypnothérapeute et aussi détient sa propre clinique, donc évidemment, soit Global Santé en la matière. Je suis très content de l'accueillir. C'est pour la première de la saison, Valérie Deslandes, une nouvelle chroniqueuse. Salut! Bonjour Alexandre. Merci d'être là avec nous autres. Peut-être avant d'aller plus loin, nous expliquer ce que c'est l'hypnose, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on voit dans un spectacle avec on a tous en tête peut-être quelqu'un qui peut faire ça dans une salle de spectacle, mais c'est vraiment plus concret que ça. Il y a une démarche aussi derrière tout ça, des études aussi concrètes qu'on peut faire pour être un hypnothérapeute là. L'hypnose thérapeutique, en fait, c'est complètement différent du divertissement qu'on a l'habitude de voir à la télé. L'objectif, c'est de faire un cheminement personnel, comme dans d'autres formes de psychologie. L'hypnose a la qualité d'être connue comme une thérapie plus brève. Donc, l'hypnose est un outil thérapeutique qu'on utilise pour soulager les gens plus rapidement ou les aider à atteindre un objectif spécifique. Alors, il peut suffire d'une hypnose ou quelques rencontres pour pouvoir soulager quelque chose de désagréable que quelqu'un vit. Quel type de choses, par exemple, que vous pouvez soulager pour les gens qui écoutent? Ce qui est très populaire actuellement, il y a l'anxiété, l'insomnie, les symptômes de dépression, le mal-être. Il y a eu aussi récemment un peu plus de deuil relié au travail, relié aux personnes décédées, évidemment, relié à toutes sortes de décisions qui sont prises face à un sentiment d'impuissance. Sinon, ben, l'hypnose, il y a des choses vraiment spéciales qu'on peut faire, ouais, qui ne se font pas ailleurs, comme les trucs un peu plus farfelus, là, comme se ronger les ongles, se libérer de poids. Qui peut m'aider pour ça? Puis l'hypnose, étant donné qu'on travaille vraiment à différentes places dans notre cerveau, peut aider pour des choses comme ça. Alors, on fait pas mal tout ce qui se fait en psychologie, en fait. OK. Je lisais, est-ce que c'est une légende urbaine, même retrouver sa libido? Quelqu'un qui aurait perdu sa libido, c'est-tu vrai, ça, ou... Ben ouais, c'est pas une légende urbaine du tout. C'est certain, l'humain a une énergie très, très forte à l'intérieur d'elle, ben, c'est l'énergie sexuelle, c'est certain. Fait que, ben, au niveau de la libido, il y a plusieurs choses à regarder, évidemment. Puis, ben, c'est sûr qu'avec un changement de perception et évidemment, parfois, certains changements dans la vie, par l'action ou dans l'environnement, oui, absolument, c'est quelque chose qui se fait. OK. Puis, votre intervention, par exemple, ou vos interventions auprès d'un patient, ça s'effectue, c'est vraiment dans la tête, dans le cerveau principalement, ou il y a d'autres interventions? Bien, en fait, nous, on dit client, excuse-moi Alex, juste parce qu'on n'est pas docteur. Ouais, OK. Alors, les hypnothérapeutes chez Global Hypnose sont lourdement diplômés au privé, en alternatif. Donc, on reçoit des gens, on reçoit des clients. Et puis, oui, quand on utilise l'outil de l'hypnose, ben c'est dans ce qu'on dit. C'est dans ce que le thérapeute utilise comme formulation, comme symbolique, comme chemin, comme protocole, si je peux dire, pour en venir à amener la personne à faire un chemin précis, basé sur un protocole, mais qui quand même reste personnalisé à chaque fois. J'ai jamais fait deux fois la même hypnose parce que durant l'hypnose, il y a de la conversation aussi la majorité du temps. Nous, on utilise l'hypnose humaniste. Donc, on parle avec nos clients et donc l'hypnose devient personnalisée et sort même de ça un outil précieux que nous, on nomme l'auto-hypnose, que les gens peuvent refaire à la maison. Pour renforcer le travail qu'ils font avec nous. Ouais, c'est très intéressant. Puis donc, la personne est comme dans un état... c'est parce qu'on a des images en tête, je reviens un peu à la salle de spectacle, là, mais tu sais, comme on peut voir, mais est-ce que la personne est comme un peu en transe ou dans une forme d'état second, donc n'est pas tout à fait présente, là? Tu comprends ce que je veux dire? Un état semi-comateux, peut-être? Je sais que c'est peut-être pas les bons termes, là, mais quand même, tu comprends l'image, là? Oui. Oui, il y a transe hypnotique. Nous, on voit les signes de transe. C'est parfois plus léger. Il y a des personnes qui vivent ça plus légèrement, d'autres plus profondément. Une chose est certaine, c'est qu'en hypnose humaniste, on veut surtout rendre les gens plus conscients. Alors, souvent, on les garde assis. On ne leur demande pas de se coucher. Puis ça fait que la personne, elle ne se dissocie pas d'elle-même. Elle reste très associée à elle-même parce qu'elle contribue grandement au travail et à l'avancement durant la séance d'hypnose. Mais oui, on reçoit
toutes sortes de beaux commentaires, de légèreté, de se sentir mieux, complètement libéré. Fait que oui, il y a une espèce d'état. Le plus drôle, c'est quand les gens me disent « Là, tu me parles, mais t'es-tu déjà en train de m'hypnotiser? Je me sens bizarre. » Ça, c'est bien aussi, c'est le fun. Ça démontre que la personne est vraiment sensible à notre langage. Ouais, donc, ouais. C'est vraiment dans le langage. Puis la personne, oui, présente certains signes de transe, mais rien à voir avec ce qu'on voit là, en spectacle. Ah, et est-ce que tu promets que tu n'as jamais recours à ça dans ta vie privée, c'est-à-dire avec tes amis, tes proches? Non, tu ne les hypnotises pas, non? Ben non, pas du tout. Ça prend consentement, ça prend un cadre. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, mais vous savez, quand je ne suis pas dans mon bureau en train d'aider un humain, je prends une pause aussi parfois. Je ne m'amuse pas à faire ça à n'importe qui comme ça. Je ne suis pas présentement. Dans notre métier, c'est essentiel. OK. Fait que tu ne le suis pas présentement, là, tu n'essaies pas de m'hypnotiser, non, et c'est bon, OK. Ben non, pas du tout, t'es en sécurité. Ouais, c'est bon, merci. Mais c'est important de dire qu'il y a un centre de référence en hypnose thérapeutique, ça, pour les gens qui sont de ta profession. C'est quoi, c'est un lieu sécurisant pour les gens qui voudraient avoir recours à l'hypnose, c'est ça? Bien, la sécurité, oui, c'est une des valeurs de l'entreprise. Déjà, pour les clients, on reçoit plus de 750 nouvelles personnes par année chez Global Hypnose. Donc ça, c'est beaucoup d'expérience. OK? C'est certain que quand on rentre dans une place comme ça, où c'est vraiment des spécialistes de leur sujet par rapport à l'hypnose, parce que c'est très, très large, l'hypnose thérapeutique. Alors oui, c'est ça. On est une grande équipe. Puis la sécurité, elle est au niveau des thérapeutes aussi, parce que c'était le but du centre. C'est le premier centre de référence en hypnose thérapeutique. Donc, le but, c'était d'offrir aux thérapeutes un endroit avec une ambiance parfaite pour travailler en équipe dans des lieux convenables. On a besoin de tranquillité en hypnose. On ne s'installe pas n'importe où, là. Et puis, ben, pour le client, oui, parce que, bon, on a l'éthique, on respecte le rythme de chacun. On est neutre, hein, évidemment. Ne travaille pas qui veut chez Global Hypnose non plus. C'est ce que je trouve sécuritaire pour le public. Mm. J'ai choisi des gens lourdement diplômés, en formation continue, qui ont eux-mêmes un vécu. Et ça, c'est selon moi un point important. Je crois que quand on se spécialise dans quelque chose, on doit savoir de quoi on parle. C'est bien entendu, puis merci d'avoir pris le temps. Justement, tu savais de quoi tu parlais, c'est clair. Valérie Deslandes, on te retrouve très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.